Alors, c'est une exposition, comment on peut dire ? C'est une exposition hommage. Oui. Oui, hommage à qui ? Au grand Dali, William. Ah. Le grand Dali. Alors, artiste, regardez, le titre de l'exposition, Dali fait le mur. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 15 mars 2015 à l'espace Dali à Paris. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet endroit, parce que ce n'est pas super connu, nous sommes à quelques mètres de la place du Tertre, donc à Montmartre, c'est rue Poulbeau. Alors, en fait, la bonne idée, ça a été de demander à des artistes d'art urbain, de street art, de rendre hommage, chacun à leur manière, à Dali. C'est-à-dire qu'en s'inspirant de l'univers de Dali, là, regardez. Alors là, cette photo, mais... William, là, c'est du vrai Dali. Là, évidemment, oui, vous avez l'horloge qui dégouline, c'est Dali. Donc, vous avez au milieu des sculptures de Dali l'hommage que rendent les jeunes. Regardez à gauche, au fond, non, là-bas. Mais attendez, parce qu'il y a une heure, on a passé un dessin qui est pour Louis Bertignac. Ça vous dit rien? C'est exactement le même? Ah bon? C'est pas le même auteur? Alors, bah lui, c'est Noart. Ah, là, peut-être, je suis pas sûr. C'est, non, je pense voilà, pas que voilà, c'est le même. Regardez, on a passé ça il y a moins d'une heure. Non, alors c'est pas le même. C'est pas le même, mais c'est un peu la même inspiration. On mais, est dans la famille. Voilà, hein. Regardez, ça, c'est un artiste qui s'appelle Noart. C'est formidable ce qu'il a fait. Et donc, on est d'accord que, parce que peut-être que devant la télé ce matin, certains vont se dire, oh là là, l'art urbain, ce sont ces galopins qui me taguent mon immeuble. Ah non. S'ils payaient tous aussi bien, ça, c'est formidable. On découpe l'immeuble. Le périph', on irait se balader. Voilà, on est d'accord. Ce sont des artistes qui peignent sur des endroits autorisés. Non, mais on est d'accord, parce que parfois, il y a non, c'est quand même. Des vrais artistes, ça. Ce sont des vrais artistes. Alors, donc, nous avons tourné il y a quelques jours à Paris. À l'époque, il faisait déjà encore très, très beau. C'était l'été indien. Non, mais aujourd'hui, ça va, il fait doux. Oui, aujourd'hui, ça va. Non, mais profitons, parce qu'après, ça va se dégrader après-demain. Bon. Mais bon, bref, tout ça faites pour vous dire... Aussi, pardon ? Non, je dis, vous faites la météo aussi. Oui, parce que vous allez voir les artistes en t-shirt. Vous allez me dire, mais Damien, c'était tourné il y a 3 ans. Pas du tout. Je vais vous dire ça, moi. Bah, vous auriez pu. Bon. Non, mais non, ça a été tourné il y a quelques jours. Et non, mais Damien, ça a été tourné il y a quand, ça ? Non, ben William, c'est intéressant. Ah, c'est voyez, intéressant. Je me doutais que la question vous serait venue. Regardez, nous étions là, expo pour petits et grands, c'est formidable, regardez. Les voici les artistes d'art urbain qui ont accepté de relever un défi, celui de rendre hommage avec leur propre style au génial Dali. J'ai commencé d'abord par tracer le visage. J'ai saturé de tags en fait et de lettrage avec des mots qui sont liés directement à Dali. Au fur et à mesure, j'ai resserré et j'ai décidé après de rajouter le Sacré-Cœur parce que comme on est ici dans le 18e à côté de Montmartre, j'ai rajouté... Finale de Dali à celle de la jeune génération, histoire de mettre en parallèle les deux univers. Très surprenant, mais Dali a fait beaucoup d'actions de rue très provocatrices qu'on retrouve également dans l'art urbain. Donc art populaire, provocateur, innovant, multicréativité. Les fameuses et interminables pattes de girafe, chères à Dali, se retrouvent évidemment dans bon nombre de toiles version 2014, comme un clin d'œil au style du peintre catalan. La consigne donnée à ces jeunes artistes fut simple. Dali est venu vous rendre visite dans votre atelier. Après son départ, vous vous attelez à la réalisation d'une œuvre d'inspiration surréaliste, bien sûr. J'ai pris deux tableaux de Dali que j'aimais bien au niveau de la composition. Et pour faire une composition plus grande, avec une combinaison de ces deux tableaux qui n'ont a priori rien à voir. Artiste ouvrier a utilisé la technique du pochoir pour réaliser ce tableau avec une explosion de couleurs et une touche de folie qui n'aurait pas déplu au fantasque Dali. Dali qui alternait sujets légers et sujets beaucoup plus sérieux, comme par exemple la spiritualité et la religion. Pas étonnant donc que certains peintres aient placé ces thèmes au cœur de leur hommage, ici, l'Apocalypse. On a Jésus, donc un Christ rédempteur en descente de croix, derrière lequel on peut retrouver une horloge, donc petit clin d'œil à Dali encore une fois. Bon, j'ai pas voulu le faire dégouliner l'horloge, moi personnellement, pour pas faire trop dalinien non plus, et c'est juste un clin d'œil. Finalement, le mariage entre Dali et l'art urbain est un mariage plutôt réussi. L'art urbain, c'est un peu comme les musiques électroniques ou hip-hop. On sample, on réutilise, donc on peut faire feu de tout bois. Et bon, c'est vrai que Dali lui-même a beaucoup pompé les classiques. C'était pas évident au départ. C'est un postulat un peu étonnant, je suis d'accord avec vous. Mais si on réfléchit bien, Dali est un artiste populaire. Le street art est l'art populaire par excellence, puisqu'il s'offre à tous sur les murs. Les murs, justement. Pour inaugurer cette exposition, les artistes ont procédé à une démonstration de leur talent, toujours guidé par le maître. Dali, pour moi, ce que ça m'évoque, quelqu'un qui croit en ce qu'il fait et qui l'impose avec talent. Impressionnant et bluffant, cette exposition, mesdames, messieurs,
c'est de la bombe. Ce mur-là, les œuvres, ils sont restés ou ils sont partis avec? C'était où ça? Ah non, c'est resté juste devant l'espace Dali, donc rue Poulbeau à Montmartre. Ah. Donc à moins que ça ait été volé, normalement, ça restait là pendant quelques semaines. Ouais. Vous avez vu la toile, William, de Wonder Woman sur des pattes d'éléphant, de Spinny Graffito, c'est extraordinaire. C'est d'une inventivité géniale. Et regardez les yeux, fixez les yeux de la jeune femme. Est-ce que vous voyez double? Oui, bien sûr. C'est normal. Elle a quatre yeux. Il y a deux paires d'yeux, c'est normal. Mais au début, c'est un peu perturbant quand même. Non, ça fait quatre yeux. Oui, bah oui. Okay, voilà, puis vous avez vu l'horloge à gauche, l'horloge de Dali, oui. Le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles, enfin. Oui. J'ai adoré, hein. Ça se voit, j'ai adoré. Je suis content, vous soyez content. Voilà. Au revoir. Bah, je vais profiter de mon samedi, il fait beau. Oui. C'est ça. Puis alors, c'est pas étonnant que les gars soient en t-shirt parce que vous l'avez tourné quand il faisait beau. Voilà. On poursuit avec Anissa Afaoui, qui va à l'école du samedi. Elle vous emmène. Alors, les fleuves, les canaux, pour apprendre quoi? À naviguer? Ben, justement, à naviguer. Ma péniche, mon vieux bateau.